bien vêtu, la chienne. C'est très émouvant. Nous constatons des gens en pleurs à l'arrivée de l'avion de la dépouille mortelle. Voilà. Département complet, tu as tué un coup. Maman, ça nous dépasse, hein. Ça nous dépasse même. Ça nous dépasse même. Si qui on va compter maintenant là, on ne sait même pas. Voilà, tu es parti te soigner, ton retour, c'est ton corps qui vient. On te dit quoi? On ne peut rien dire. C'est de pleurer et puis voilà. Ça nous dépasse. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Ah. 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 Ah.
Abobo devient quoi? Oh putain de merde. En bas. Ça a gagné temps, hein. Zoro est parti, toi tu es parti, on continue. Mais là on regarde maintenant. On met tout dans la main de Dieu, on suit. On prie pour toi, on prie pour ton âme, on prie pour tes enfants, ta famille, tout le monde. Voilà. Le démon qui est dans nos gouvernements là, qui est loin de ce gouvernement là quoi. Pas on va toujours rester là en train de pleurer. Pardon. Hop. Madame Thierry d'Abeli Solange, on a été reçu par le premier ministre le 15 novembre, chez lui à domicile, pendant la journée de la paix, à la place de l'espérance en France. Et quand on est arrivé chez lui, il a décidé qu'on partage un déjeuner ensemble. Il était tout simple, malgré le Covid, il acceptait de nous prendre dans ses bras sans protocole. C'est quelqu'un qui va nous manquer. Il a décidé de financer, on était quatre de nous financer jusqu'à hauteur de 20 millions pour des projets. On avait entamé les projets et on vient nous annoncer son décès. Donc c'est une grande fête parce qu'on voulait que des jeunes Ivoiriens, des Ivoiriens puissent aussi profiter de sa gentillesse, puissent aussi connaître l'homme, sa simplicité. Il nous a choisi au hasard dans la foule. Elle est pété. Moi je suis malinquée. Sans savoir qui on est, il nous a envoyé chez lui. Partager un plat. Vraiment, tout ce qu'on peut faire, c'est prier pour que Dieu l'accepte dans son paradis. Et tout ce que je voulais dire à la jeunesse ivoirienne, c'est que Mbak nous a enseigné, là, c'est la paix, la simplicité.
n'y a aucune différence entre les Ivoiriens, on est la même chose. Il faut qu'on protège notre pays parce que l'avenir de la Côte d'Ivoire appartient à la jeunesse. On doit rester unis. Rien ne doit nous diviser, même la mort ne doit pas nous diviser. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu prend ce qu'il veut. On met sur la volonté de Dieu, mais on doit rester unis pour protéger la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège sa famille, Dieu protège sa femme. Parce que la maman, elle est veuve, elle est bêtée, on est parti. Elle a promis de mettre ses enfants dans un boulot, de financer des projets. Mais tel qu'on le connaît, s'il était là, il allait le faire. Donc on ne regrette rien. Le petit moment qu'on a passé avec lui, c'est un grand souvenir. On l'aime à vie. Que Dieu protège son âme, que son âme reste. Le projet qu'il a commencé là. Et aussi le cantel. C'est trop gentil. C'est ce qui nous a permis de dire. Il a commencé pour nous là. Il a promis à beaucoup de personnes. Le gouvernement prend sur ce côté-là pour aider aussi la jeunesse, aussi à l'inverse qui n'a pas de quoi. Nous étions quatre. Parmi nous, il y a un handicapé qui est là. Il s'appelle Fofana Idrissa. Il y avait M. Agbadje. Abdoul qui était aussi présent, lui c'est un Nigérien. Fofana il a Nyama, c'est un handicapé, il nous a pris tous les quatre, deux femmes, deux garçons. On a mangé chez lui, il faut quelqu'un qui a un bon cœur, qui peut accepter de prendre des gens dans ses bras pendant le Covid. Il ne sait pas d'où on est quitté avec tous les microbes qu'on peut avoir sur nous. Il nous a accepté dans ses bras, il faut quelqu'un de humble. Que Dieu envoie ces gens de personnes en Côte d'Ivoire, des gens comme Abbas, Dieu doit multiplier sa Côte d'Ivoire. Mais protégeons le pays, rien ne doit nous diviser. Protégeons la Côte d'Ivoire, restons dans la paix pour honorer la mémoire de cet homme. C'est tout ce qui peut lui faire plaisir, que son âme repose en paix. Vous vous présentez? Savané Fantastique. Moi, c'est ça, la police.